Pas de base. 1, 2, 3 et 4. Ouverture. 5, 6, 7. Pas de base. 1, 2, 3 et 4. 5 et stop. La danse sportive se pratique en duo. Alors on a choisi deux passionnés pour en parler. Aurélie et Nathan, amis dans la vie, qui n'hésitent pas à improviser un rock sur un coin de balcon. Aurélie a porté ses premiers chaussons à 4 ans. Depuis, elle n'a jamais quitté les planches. 18 ans de classique, 8 ans de modern jazz et depuis 10 ans de la danse sportive. Parce qu'après tout, à deux, c'est beaucoup mieux. C'était quelle année, ça ? Il y a ce côté complicité avec son cavalier qui m'a vraiment plu, de pouvoir avoir une connexion et comprendre ce qu'il faut faire sans se parler. Voilà, il y a juste le guidage qui fait comprendre que, voilà, faut faire comme ça, faut faire un tour, faut faire ça. Donc ce côté travail d'équipe est très 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 sympa. Il y a le côté dynamique et il y a le côté élégant, sensuel, voilà, ça bouge. C'est ce qui me plaît. Ses premiers pas de danseur, Nathan, lui, les a faits à 6 ans. Ma sœur a commencé la compétition étant jeune. Et mes parents, vu qu'ils ont accompagné ma sœur, j'ai suivi mes parents en compétition, en déplacement. Et ça m'a donné envie de danser en même temps, de montrer un petit peu moi aussi ce que je savais faire aux autres gens. Dès qu'on fait de la danse sportive, la danse de couple, on va rentrer dans la compétition. Et là, il faut se mettre en avant, montrer le maximum de soi, faire le maximum techniquement. Et chaque danse représente environ 1 minute 30 de vraie pulsation cardiaque. Et il faut vraiment tenir au niveau du cœur. Ouais. 2 heures d'entraînement tous les jours, des week-ends entiers dédiés aux compétitions. C'était trop, Nathan a rangé le costume. 1, 2, 3 et 4. Aurélie ne fait pas de compétition. Elle partage sa passion à la tête d'une association de danse sportive sur Besançon, ouverte à tous. Les gens viennent d'univers effectivement très différents et c'est justement ce qui fait la richesse de la danse déjà en général et aussi j'ai envie de dire la richesse de notre association. C'est la jambe qui part à l'arrière, en revanche avec le haut du corps, on reste l'un vers l'autre. On veut danser à deux. Montrez-nous. J'avais vraiment envie de faire de la danse depuis des années et puis j'ai trouvé ce groupe-là très, très agréable, très accueillant. Le plaisir, c'est de s'évader un peu, voir du monde, voir des gens, discuter un petit coup. 2, 3, 4. Toutes les danses sportives sont enseignées, du tango au rock en passant par la très sensuelle rumba. Chacun progresse à son rythme. 2, 3, 4. On commence par apprendre quelques pas et puis progressivement on se fait plaisir. On commence à s'apercevoir qu'en fait les pas sont en lien avec la musique. La spécificité qu'on a en danse sportive, c'est qu'en plus de ça, on a plusieurs danses qui ont chacune en tout cas leur spécificité. Donc par exemple en rumba, on va danser avec les jambes tendues, mais en samba au contraire, on va être plutôt dans une action de rebond au niveau des genoux. Donc voilà, en fait c'est très complet et effectivement c'est très technique. Pour la technique, il suffit de regarder le groupe des confirmés. La danse sportive porte bien son adjectif. La discipline manque pourtant de cavaliers. Avis aux messieurs, la piste n'attend que vous.